la décision du DPP pour poursuivre les 5 policiers impliqués dans l'affaire. Mais la justice suit son cours. On va nous dire, nos policiers officiels above the law, nous pouvons faire notre travail en discipline, avec l'intégrité, dans le respect. Mais naturellement, on a une organisation côté de 13 000 personnes. Mais nous pas tant qui on dirait, qui tout du monde parfait. Mais si on dirait, il y en a qui viennent fauter. Moi d'ailleurs, M. le Premier ministre, je viens de dire ce discours, avec un police officier, un police officier qui pas payé conforme avec la loi, qui pas payé agir dans les paramètres de la loi, mais naturellement, il y a un prix à payer. Ça ne s'applique non seulement aux citoyens, mais aussi à tous les policiers. Tous les 13 000 policiers, même le commissaire de police, n'est pas au-dessus de la loi. Pourquoi c'est une chose importante qui nous vient suivre. Une dernière question, il y a une lettre qui peut circuler, qui l'envoie dans le bureau Premier ministre, et l'ICAC aussi, quand il y a plusieurs allégations qu'il peut faire contre personne même. Oui, mais ça va vous guider. Vous avez dit depuis qu'on prend les rênes du commissaire de police, tout le temps, il y a un petit monde qui tout le temps, me dit quand le commissaire pour aller. Mais naturellement, mais moi, je fais mon travail, droite, et vous pensez que tout le monde est intelligent, et si vous avez guetté l'état, vous avez guetté, qui est vrai, qui n'est pas vrai là-dedans. Mais moi, ça qui m'a dit, je fais mon travail droit, et tout le monde qui vient, nous fait une enquête là-dedans. Okay? Alors, le centre de Siali, mon Jésus, comme ça, fait une enquête très serrée, établit non seulement ça va être fait là, mais aussi qui est l'auteur de ça va être qui peut jeter la boule là.